On vient de me parler d'un super bon plan là, donc j'ai vite pris mon téléphone pour vous en parler. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui travaillent avec la préfecture, donc tout est carré comme en Corée. Les influenceurs, c'est une catégorie qui a émergé il y a à peu près 10 ans, qui sont des personnes ayant énormément de ce qu'on appelle des followers, des abonnés sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être Instagram, Snapchat, ça peut être YouTube ou alors Twitch aussi. Et ces influenceurs ont cette particularité de réunir une communauté autour d'eux qui est assez importante et qui vise finalement un public assez jeune qui échappe à d'autres médias comme la télévision, la radio, la presse écrite. Ce qui fait que ça les rend très intéressants pour les marques. Alors ce qui change, c'est qu'auparavant, on avait un marché très cadré. Par exemple, à la télévision, vous avez un programme télé, un spot de publicité bien identifié et le programme reprend. Là, tout est mélangé. En fait, l'influenceur va créer du contenu et en même temps, va parler de produits qui sont en fait de la promotion. Donc on a cet aspect qui est assez inédit, qu'on a pu voir du placement de marque en fait au cinéma, du placement de produits. Là, c'est le cas, mais au quotidien, avec des influenceurs qui racontent leur vie ou qui créent du contenu sur un sujet en mêlant dedans de la publicité. C'est un marché qui est en train de se créer, qui est en plein boom et on compte actuellement 500 000 influenceurs dont 4% gagnent très bien leur vie grâce au partenariat, grâce à la publicité qu'ils génèrent. Et pour certains, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros par mois. Donc c'est des budgets qui sont colossaux et une marque peut demander à un influenceur de faire un partenariat dans son contenu pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors il y a un mélange des genres qu'on constate, mais surtout il y a aussi des abus qu'on trouve sur plusieurs registres. On va avoir par exemple une jeune influenceuse de la télé-réalité qui va essayer de vendre des permis de conduire, qui sont évidemment faux. On trouve aussi des concours pour de la chirurgie esthétique, on trouve des passes sanitaires actuellement, ou alors des contrefaçons, ou ce qui est peut-être finalement un peu moins grave parce que ça a toujours existé, mais c'est de l'escroquerie, des montres haut de gamme présentées comme valant 150 euros, qu'on retrouve en réalité à 1,50€ sur le site chinois d'AliExpress. C'est une profession qui est en train de se structurer, qui est en plein boom, et elle a un peu échappé au pouvoir public jusqu'à présent. On peut voir une seule loi, finalement, aujourd'hui, qui protège une partie de ces influenceurs, c'est la loi Studer, qui a été votée en octobre dernier, qui protège les enfants de moins de 16 ans qui sont influenceurs. Donc les parents doivent obtenir un agrément auprès de la préfecture, parce qu'ils considèrent finalement que c'est un travail et qu'il faut encadrer ce travail des enfants influenceurs. En revanche, du côté du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour l'instant, cette partie, ce secteur du numérique des réseaux sociaux échappe au CSA. Le projet de loi en cours devrait permettre d'intégrer la partie numérique dans la nouvelle entité que sera le CSA et qui permettra justement d'aller vérifier, contrôler un peu ce qui se passe sur ces réseaux. Il reste ensuite un échelon qui est l'échelon européen et là, on est vraiment à la traîne puisqu'on a une seule loi qui est une directive des années 2000, la directive e-commerce, qui a été créée à un moment où il n'y avait aucun réseau social et YouTube était à peine en train d'émerger. On voit des directives qui vont être votées dans les prochains mois, mais très clairement, on a un train de retard dont peuvent bénéficier certains arnaqueurs pour l'instant. On se trouve devant un problème, c'est la volatilité du contenu. Tous les jours, il y a des millions de publications. Parmi celles-ci, certaines sont des partenariats. Et en plus, certaines sont publiées seulement pour quelques heures. Donc il faut arriver à gérer ce contenu et on n'y arrivera pas, quelles que soient les directives, sans les hébergeurs. Aujourd'hui, les hébergeurs, le problème, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme créateurs de contenu. Sauf que ce contenu, ils ont des algorithmes qui vont les mettre en avant ou pas. Et donc il faut arriver à les faire travailler sur ce contenu pour le réguler. Sans eux, vu que ce sont des plateformes en plus étrangères, il sera difficile d'avoir des directives qui sont véritablement efficaces.